Ja, in 1947 vond er ook een artsenproces plaats in België van de oorlogsorde. De leider, Führer van de oorlogsorde, was de Antwerpenaar dokter Frans van Hoof, antisemiet, gelinkt aan de SS. Hij was ook de organisator van de stages van de nazi-artsenopleidingsschool van Altrezen. Maar eerst en vooral om dit complex dossier te belichten, stellen we u eerst een korte gefilmde montage voor. C'est en 1947 que se déroula aussi en Belgique le procès de l'ordre des médecins de guerre. Le chef leader était le médecin anversois Frans van Hoof, antisémite lié à la SS, et il était également l'organisateur des stages de médecine nazie à Altrezen. Et pour mieux illustrer ce dossier complexe, nous vous présentons d'abord un court-métrage filmé. Mais François de Menton, le chef de la délégation française, va leur rappeler de quoi ils sont accusés. La conscience des peuples, hier asservie et torturée dans leur âme et dans leur chair, vous demande de juger et de condamner la plus monstrueuse entreprise de domination et de barbarie de tous les temps. Premier chef d'accusation. Association de malfaiteurs, complot pour la conquête du pouvoir absolu. Les preuves, elles ne manquent pas. Tous les films de propagande présentés au tribunal de la commission. Donc je prépare actuellement une étude sur l'éthique médicale, 70 ans après Auschwitz ou Buchenwald si vous préférez. Mon point de départ était l'étude de la faculté de médecine à Gand pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et vous pouvez consulter cette étude donc de Geschiedenis van de Faculteit Geneeskunde Gent sur le site de l'université UGent Memory. Et donc là, c'est quelque part un retour historique. Qu'est-ce qui s'est passé sous le régime d'Hitler? Oui. Comment les médecins ont été impliqués? Et alors là, il y a sans doute aussi un devoir de mémoire qui est fait pour faire la clarté par rapport à la collaboration ou non de certains médecins. Oui, oui, tout à fait. Donc en fait, l'université de Gand était l'épicentre aussi bien de la collaboration que de la résistance médicale. Et alors, ça se manifestait comment, cette collaboration? Mais en fait, il faut remonter à l'entre-deux-guerres et même jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc, comme vous savez, probablement, l'université de Gand a été flamandisée sous la tutelle des Allemands. On l'appelait l'université von Bissing, du gouverneur de l'époque. Et à ce moment-là, les médecins ont collaboré, enfin pas de la même façon qu'en 40, avec une certaine flamme politique, donc une politique favorable aux Flamands. Et certains de ces collaborateurs de 14-18 ont ensuite, certains ont été exilés aux Pays-Bas et sont revenus en 40, si vous voulez, nommés par les Allemands. Alors quand on parle justement de ce douloureux épisode de l'histoire, il y a un terme qui revient très souvent, c'est le T4, le programme d'euthanasie T4. Vous pouvez éclairer nos auditeurs sur le T4? Oui, tout à fait. Donc le T4 qui vient de la Tiergartenstrasse à Berlin. C'était un immeuble qui appartenait d'ailleurs à une famille juive qui a été confisqué, enfin c'est l'ironie de l'histoire. Et ce programme T4 a surtout été élaboré notamment par Philippe Böhler, mais également par Leonardo Conti, qui était le numéro un des médecins SS, si vous voulez, de l'époque. La bioéthique est née effectivement au procès de Nuremberg. Enfin, c'est un procès qui s'est passé après le procès des dignitaires nazis en 1947. Donc 20 médecins et 3 non-médecins ont été condamnés, 7 ont été pendus. Leonardo Conti, qui a été l'invité des professeurs collaborateurs flamands à Gand, s'est pendu dans sa cellule avant le procès, mais c'était l'accusé numéro 1. Ensuite, Karl Brandt, qui était le médecin impliqué dans le programme T4 dont vous parliez,
Et qui était le médecin personnel d'Hitler, a été condamné à la pendaison également. Ce qui est très important dans le procès des médecins Nuremberg, ça a été la base de toute l'éthique médicale. Les règles sur les expérimentations médicales, l'informed consent du patient, etc. sont nées à cette époque. We staan hier voor de gedenkplaat ter ere van Pierre-Marc de Berzac, die in Buchenwald gestorven is in december 1943. Dokter de Berzac was samen met Raphaël Schotte de speelfiguur van het Gentse verzet tijdens Wereldoorlog II. Heeft een heel belangrijke rol gespeeld in de inlichtingendiensten die er gecreëerd zijn rond Jean Cavaillès, een Franse filosoof, en onder de naam Cour Asturie. Dokter de Berzac is gestorven in december 1943 in de armen van een Gentse medegevangene. Il y a eu le procès de Nuremberg, il y a 23 médecins, donc 3 non-médecins, 7 ont été condamnés à mort, mais les restes, comme Mengele, avec certitude, il aurait été exécuté. Leonardo Conti, qui était le numéro 1, qui était venu en Belgique aussi, s'est suicidé dans sa cellule à Nuremberg, mais la grande majorité des médecins, des psychiatres ont échappé au procès. Il y a eu un procès en Belgique également, en 1947, au même moment environ que le procès de Nuremberg, mais pas de la même dimension bien sûr, concernant l'ordre des médecins en Belgique. Là, il y a eu la plus grosse condamnation était à 15 ans. Franz van Hoof, qui était un ancien lié à la SS, mais qui organisait des stages de médecine nazie en Allemagne, à Altrise. Vous avez aussi découvert une autre pouponnière. On connaissait celle de Régiment, une pouponnière nazie. Vous en avez découvert une autre à Wolvertem. Oui, tout à fait. Donc, Wolvertem était aussi, je viens de tout récemment. Hein. Tout récemment, oui, ce qui est tout à fait bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses qui remontent maintenant, comme M. Collignon disait, autant d'années. Et effectivement, cette pouponnière était sous contrôle du professeur Dahls, qui a envoyé des sages-femmes flamandes. Et en fait, elle a une triple importance. D'une part, c'était un centre de procréation arienne. Il y avait par exemple les secrétaires, les souris grises de la Gestapo de l'avenue Louise, de la CIPO SD, qui accouchaient à Wolvertem, par exemple. Deuxième point très important, cette pouponnière était contrôlée par Nana Conti. Nana Conti était la Reichsebammenführerin, c'est-à-dire la présidente des sages-femmes en Allemagne, la mère de Leonardo Conti, et qui avait déjà des contacts avec Franz Dahls avant la guerre. Donc, et elle contrôlait les nominations de sages-femmes à Wolvertem. Donc, il y a donc effectivement le lien avec la collaboration flamande. Donc ça veut dire que ces Belges acceptaient, reconnaissaient la notion de race arienne? Bien sûr. C'est ça le but de cette poignée. Mais ça, il n'y avait pas que l'Allemagne. L'eugénisme était assez répandu, même dans les milieux non-nazis. Il y a par exemple l'affaire Emilian Itoff, il s'occupait aussi de l'eugénisme positif et négatif, etc. Il y avait une nébuleuse d'eugénisme dans l'entre-deux-guerres, et donc ça n'était pas spécifique aux Allemands. Hein, aux États-Unis, etc., il y avait cette tendance de forte et d'autres. In der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfers sind, in der Nation mobilisieren.
Anführer jetzt danken, dass ihr nicht Banke geworden seid, dass ihr mich in der Zeit nicht verlassen habt. Denn nur euch allein ist ja das alles zuzuschreiben. Die besondere Bedeutung von Alt Rehse während der Zeit des Nationalsozialismus wird schon durch den Namen deutlich. Führerschule der deutschen Ärzteschaft. Das war der Anspruch, hier eine selbsternannte Elite der Partei und der Mediziner, die in der Partei als Parteimitglied registriert waren, dort eine Auswahl zu treffen, um die Schaltstellen im Gesundheitssystem entsprechend zu besetzen und die Ziele der nationalsozialistischen Gesundheitspolitik durchzusetzen. Ich habe vor etlichen Jahren meine Doktorarbeit im Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität Greifswald verfasst und habe in diesem Rahmen die Biografie der sogenannten Reichshebammenführerin Nana Conti erforscht. Ich habe in diesem Forschungsprojekt einen eher systemorientierten Zugang gewählt. Das heißt, ich habe versucht, diese Biografie wirklich in den Kontext ihrer Zeit, ihrer sozialen Netzwerke einzubinden und bin deswegen auch auf die Familie Conti im etwas größeren Sinne eingegangen, mit ihren Kindern Leonardo Conti vorweg. Ich weiß nicht, ob die Contis für Alt Rehse relevant waren, aber Alt Rehse war für die Contis relevant. Nana Conti war ja die gewissermaßen die oberste Hebamme im sogenannten Dritten Reich. Und die Hebammen waren der einzige nicht akademische Gesundheitsberuf, der zu Fortbildungskursen nach Alt Rehse eingeladen wurde. Die Einladung nach Alt Rehse an diesen prestigeträchtigen Fortbildungsort für Ärzte und Ärztinnen bedeutete eine enorme Auszeichnung für den Hebammenberuf und demonstrierte auch, wie gut die Hebammen zu diesem Zeitpunkt mit den Ärzten vernetzt waren. Voilà, c'est donc en 1947 que se déroula en Belgique le procès de l'Ordre des médecins de guerre. Donc, comme nous voulons de le dire, ce procès belge ne fut évidemment en rien comparable avec le procès des médecins de Nuremberg, mais constitua néanmoins une étape importante de la condamnation de la collaboration politique dans l'après-guerre immédiat. L'Ordre des médecins, tel que nous la connaissons aujourd'hui, est né dans ces circonstances étonnantes. Il fut créé le 26 novembre 1941 sous la pression de l'occupant allemand qui souhaitait prendre le contrôle des soins de santé et de la médecine et de ceux qui l'exerçaient. L'ordre était dirigé par un Führer, un Leader, en l'occurrence le docteur Franz von Hof.
tandis que ses administrateurs étaient des médecins membres du VNV et de REX, donc le parti fasciste au pouvoir à ce moment-là. Les médecins qui refusaient de s'affilier à l'ordre de guerre étaient donc démis de leurs fonctions, certains furent déportés et trouvèrent la mort dans les camps de concentration. Membre protecteur de la SS flamande, le médecin anversois Franz van Hoof était farouchement antisémite et dénonça des médecins juifs à Anvers pendant la guerre. Il ne se gênait d'ailleurs pas pour plaider en faveur d'une arianisation complète des membres affiliés. Pour pouvoir s'affilier à l'ordre, un médecin devait certifier qu'il répondait aux critères édictés par les ordonnances allemandes du 28 octobre 1940 concernant les Juifs. Le suppléant de Van Hoof était le docteur Marcel Dossin, un rexiste à la tête de la Chambre wallonne. Dossin était tenu en haute estime par Léon de Grelle, comme en témoigne un courrier datant de 1944. Le chef de Rex, SS-Hauptsturmführer Léon de Grelle, remercie vivement le docteur Dossin des marques de sympathie qu'il lui a témoignées à l'occasion de son retour au pays et de la haute distinction qui lui a été décernée par le Führer. En 1943, Van Hoof et Dossin n'hésitèrent pas à faire appel à la magistrature belge pour contraindre les médecins à rejoindre l'ordre. Ils transmirent à l'occupant allemand des listes de médecins réfractaires. Ces derniers se trouvèrent alors sur la liste noire, furent condamnés aux travaux forcés en Allemagne, voire déportés en camp de concentration. L'un d'entre eux était le docteur Pierre-Marc de Berzac, comme vous avez vu dans le film, un chirurgien gantois qui fut dénoncé et exécuté à Buchenwald. Le procès des médecins de 1947 démontra que Franz van Hoof en personne avait transmis au Werbstelle le nom de quatre médecins réfractaires, dont celui du docteur de Berzac. Pierre-Marc de Berzac était membre du célèbre réseau de résistance Cohort Asturie, dirigé par Jean Cavaillès. Ce même procès permit aussi de mettre en lumière le rôle joué par Franz van Hoof dans l'organisation des stages pour les médecins nazis à Altrez. Donc c'est ici qu'il y a le lien avec Altrez. Ce n'est cependant bien que plus tard que l'on se rendit compte de la véritable importance de la Führerschule der Deutschen Ärzteschaft, école des médecins allemands établie à Altrez. François Beil en parla pour la première fois dans son compte-rendu du procès de Nuremberg, suivi d'Yves Ternon ici présent. Jusqu'à la chute du mur de Berlin, tout le monde semblait avoir oublié l'existence de la NS-Führerschule. Après la guerre, les dirigeants de l'Ordre des médecins de guerre se retrouvaient vite dans le collimateur de la justice. 17 d'entre eux se tenaient dans le box des accusés lors du célèbre procès des médecins qui démarra le 17 juin 1947. 12 médecins flamands et 5 wallons devaient répondre leur agissement au service de l'ennemi devant la 4e chambre flamande de l'auditorat militaire. Il s'agissait avant tout du procès de la collaboration politique avec les nazis et de la dénonciation de plusieurs médecins. Donc la collaboration médicale en Belgique essentiellement était une collaboration politique. Après exactement 6 mois de procès, le verdict fut rendu, donnant lieu à 16 condamnations et un acquittement. Désigné comme le principal coupable par l'auditeur militaire, le docteur Franz van Hoof écopa de la peine la plus lourde, à savoir 15 ans de détention extraordinaire. Marcel Dossin, chef de la Chambre des médecins, fut quant à lui condamné à 10 ans de détention ordinaire. Partisan de cette collaboration politique, le docteur Franz van Hoof était donc le chef de l'Ordre des médecins, mais aussi l'organisateur des formations de médecins flamands à la Führerschule der Deutschen Ärzteschaft Altrez, une petite bourgade du Mecklembourg au nord de Berlin. Les cours dispensés à Altrez portaient principalement sur ce qu'on appelle alors la médecine sociale et sur la structure des organisations médicales et des soins de santé dans le cadre de la politique et de l'idéologie médicale nazie générale. Il y avait des cours adaptés à la pratique quotidienne des médecins, comme la médecine sociale, la lutte contre et la prévention de la tuberculose, les maladies vénériennes et le cancer, la protection de la mère et de l'enfant, ou encore de la médecine du travail. Donc voilà un cursus qui peut, à première vue, sembler anodin, si ce n'est que les formations médicales d'Altrez avaient pour but de légitimer l'idéologie nazie, qui plaçait l'antisémitisme et la loyauté au Führerprinzip au-dessus du serment d'Hippocrate. La génétique, l'eugénisme et l'hygiène raciale occupaient en particulier une place importante dans le programme. Une attention particulière était également accordée à la problématique des Juifs et des francs-maçons.
On estime à 12 000 le nombre de médecins, sages-femmes et infirmières qui furent formés à Altrézes. Environ 200 enseignants étaient les de plus inscrits à Altrézes. La majorité d'entre eux étaient des médecins, des fonctionnaires de santé ou des dirigeants du parti nazi. Parmi eux figuraient plusieurs grands ponts du nazisme, comme Heinrich Himmler, Alfred Rosenberg, Robert Ley ou Gerhard Wagner. Rien n'indique toutefois qu'Adolf Hitler ait jamais visité Altrézes. Également, un des directeurs d'Altrézes était Kurt Blom. Et je vois que le professeur Engler vient d'en parler concernant... il était aussi, je crois, directeur du programme biologique que les Américains ont utilisé après. Mais lors du procès de Nuremberg, tout ce dossier-là n'était pas connu. Donc il a été acquitté au procès de Nuremberg, mais normalement il aurait dû être condamné. La preuve, c'est qu'il a récidivé, hein, si je peux... Oui. Je crois donc, je découvre également cette particularité. Mais donc apparemment, c'était donc un des directeurs de l'école de nazis à Altrézes. Alors intéressant aussi, et donc du côté des étudiants étrangers, nous pouvons relever la présence du médecin nazi hongrois Ferenc Orsos, qui avec l'ophtalmologue gantois Raymond Speliers, qui avait écarté mon grand-père en 1940 à l'université de Gand. Et il avait été désigné par Leonardo Conti comme expert et rapporteur pour l'enquête sur le massacre des officiers polonais à Katyn. Pour Leonardo Conti, Reichsgesundheitsführer SS, le médecin numéro un du régime, et sa mère Nana Conti, présidente de l'Organisation des sages-femmes du Reich, Altrézes constituait une vitrine idéologique. Il y dispensait régulièrement des cours aux médecins et aux sages-femmes. Alors, il passait aussi régulièrement leurs vacances dans cet endroit idyllique situé sur les bords de la Tollensee. Il y possédait également des chevaux. On y mélangeait allègrement les vieux mythes germaniques liés à la nature et des techniques modernes de communication et d'installation sportive comme le stade d'athlétisme d'Altrézes après les Jeux olympiques de Berlin. Le programme des cours était axé sur les sujets tels que la science raciale, l'hygiène raciale et l'eugénisme. Alors, ça c'est peut-être le point le plus important de ce dossier, c'est ici que furent semés les germes du programme Action T4, qui allait déboucher sur la stérilisation forcée, l'euthanasie, ce qu'on appelait la mort miséricordieuse, et d'abjectes expériences médicales et plus tard les camps de concentration. Donc Altrézes a joué un rôle très important dans ce processus, et peut-être que c'est dû aussi au fait que c'était dans la partie est de l'Allemagne, n'a pas assez été, on n'en a pas assez parlé, au fait, dans l'analyse de ce processus vers le programme T4, et qui, à son tour, est à la base de l'extermination dans les camps. En octobre 1941, Franz von Hove invita son collègue Johannes Peltret, aussi un des directeurs de Altrézes, Peltret en SS également, en déplacement officiel aux Pays-Bas et en Belgique. Et il l'accueilla en verse pour le remercier de l'accueil chaleureux réservé aux médecins flamands à Altrézes. À cette occasion, Van Hove souligna son allégeance au nazisme en répétant les mots que Peltret avait prononcés pendant le stage. « Sie riefen uns doch mehrmals zu, sie werden hier abreisen mit Nationalsozialismus in Fleisch und Blut. » En encourageant le travail manuel, comme la construction de la route pavée du village, la participation, donc les médecins devaient participer à faire la route dans le village, à des activités sportives collectives, en plein air du matin jusqu'au soir, sous la férule d'accompagnateurs imprégnés d'idéologie nazie, on voulait former des médecins idiots et vertueux, par opposition aux médecins intellectuels, individualistes, trop éloignés des membres de leur Volksgemeinschaft. Cette vision cadrait parfaitement dans l'idéologie véhiculée par l'AVGV, l'Algemeen Vlaams Geneesheerverbond, fondée en 1921. Les dirigeants flamands de l'Ordre des médecins et les médecins qui avaient suivi un stage à Altrézes étaient tous membres de cette association fondée par d'anciens activistes de la Première Guerre mondiale dans le cadre de la première flamme politique. La seconde flamme politique allait les pousser directement vers la collaboration. Donc il s'agissait de récidivistes de la haute trahison. Alors, élément très important,
La médecine criminelle nazie était une combinaison de pseudo-médecine-science et d'une médecine qui était à la pointe de la modernité pendant l'entre-deux-guerres. À Altrese, Bormann, hein, qui était le compagnon d'Hitler, possédait même un jardin de plantes médicinales, car l'attitude des nazis envers l'homéopathie, par exemple, était aussi ambivalente. Entraînée par les médecins majoritairement membres du parti nazi et de l'ASS, la médecine nazie dériva dans le cadre de l'eugénisme et de la campagne Action T4 vers une abominable sélection des patients et des expérimentations dans les camps de concentration et d'extermination. Voilà, je vous remercie.